Hey, bonjour à tous, c'est M Farmer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, sur la série Ma Ferme Bretonne, sur la map L'Élevage Breton. Nouvelle série pour cette semaine avec l'arrivée du nouveau tracteur que vous avez vous-même choisi sur la chaîne. Allez, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, on se retrouve ici. Donc dans la dernière vidéo, on avait commencé à amener de l'eau à nos pommiers. Donc j'ai fini ça de mon côté. J'ai également fini de semer nos deux parcelles en herbe. On va déposer ça à la ferme. On va passer la nuit, histoire que les pommes produisent et que l'on puisse avoir une vente assez conséquente pour accueillir notre nouveau tracteur. Hop, ça, on va le ranger là-bas. Et je pense que avec le nouveau tracteur, on ira tout simplement faucher ou endainer. Je pense qu'on ira faucher les deux parcelles d'herbe que j'avais déjà fauchées. Et que l'on va, on va faire une double coupe sur ces parcelles, histoire de faire soit du foin, soit... Hop, allez, on va dételer ça ici. Soit du foin, soit de l'enrubanné. Hop, nickel. Donc j'ai eu le résultat du sondage, on va attendre d'arriver au concessio pour tout simplement vous dévoiler le résultat du sondage, mais vous avez dû le voir de vous-même. Là je vais juste compléter, hop, et je vais ramener le JD à la ferme parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, c'est le JD qui va partir. Donc on va vendre ce petit JD, on va ramener la benne. Hop, à la ferme, on va décharger le blé qui nous reste dedans. De toute façon, le stockage de l'alimentation des poules est complet, donc ça sert à rien de laisser la benne là-bas. On va ranger ça rapidement. Et du coup, ouais, c'est cette parcelle-là, ou c'est la parcelle derrière? Non, c'est la parcelle derrière que l'on avait déjà fauchée. Je vais aller voir si elle a besoin d'être fauchée une deuxième fois, ou si c'est pas encore prêt. Alors là ça va me mettre que c'est prêt, nickel. On va pouvoir faire une deuxième coupe sur les deux parcelles. Hop, allez, on va remonter dans le JD. Donc on va se séparer de ce petit JD, je vais ranger la benne et on va se rendre directement au concessio, histoire de faire le nouvel achat, enfin déjà de vendre celui-ci. Ensuite on ira passer la nuit et on fera le nouvel achat du tracteur. Hop, allez, on va reculer ça au silo. Nickel. Ça, on va pouvoir travailler un peu avec le nouveau tracteur dans cette fin de vidéo. Hop là. Allez, c'est parti. C'est parti. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. On a dépassé les 1350 abonnés. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer de liker les vidéos, à mettre les petits commentaires, même si j'ai pas forcément le temps de répondre à chaque fois. Mais je les vois et ça fait énormément plaisir. Ça soutient la chaîne et c'est totalement gratuit pour vous. Allez, hop. Allez, on va amener ça au concessio. Donc si je dis pas de bêtises, le concessio, il est... Il est où le concessio? Essayez de pas faire du chemin en trop. C'est pas là. Atelier pour véhicules, mais ça, c'est pas ça. Ah mince. Où est-ce qu'il est? Livraison en magasin, ça c'est parce que j'ai mis ça là. Concessionnaire, ok, il est là. Donc demi-tour. Hop, et puis après on ira passer la nuit donc. Et on accueillera notre nouveau tracteur. Donc vous avez été plus de 200 à voter pour le choix de ce nouveau tracteur. Donc c'est super. Ça vous permet de participer un peu au choix du matériel. On essaiera de faire ça plus souvent sur la série, histoire que vous puissiez participer à votre façon
à l'avancée de la série. Alors, je ne sais pas du tout combien on va vendre ce petit JD, mais ça fera déjà un premier apport. Et il faut également qu'on rembourse l'emprunt. Donc on va voir un peu ce que les pommes vont nous rapporter. On va avoir un peu de lait, un peu de d'œufs à vendre dans pas longtemps, je pense. Donc ça c'est cool aussi. Hop, alors là, c'est juste ici. Et là normalement, ça doit être là ou là. Je vais remettre le traceur de zone interactive. Alors c'est où ça? C'est pas là. Hop, nickel. Alors il est où le... Il est là. Est-ce que je suis dans la zone? Ouais, nickel. Et on va le vendre donc pour 17 000 euros. Ok, donc on est à 26 000 euros. Et on va se rendre tout de suite à la maison, histoire de passer la nuit. Hop, j'arrive pas à... Ah non, hop. Voilà. Rendre visite et on va dormir jusque 8 heures. Voilà. Alors, normalement, ça devrait produire des pommes. Première chose qu'on va faire, c'est du coup... Hop, ça c'est pas grave. On va regarder vite fait les promotions. Il n'y a rien d'intéressant. Bon, ça c'est bon. Et on va aller tout de suite dans les productions et on va mettre les pommes en vente. Hop, vente. On devrait se faire une sacrée vente vu qu'ils sont tous presque au maximum. Donc je répète encore une fois, mais on va diviser par 3 la vente des pommes pour pas que ça soit trop facile. Hop, elle est encore ici, vente. Vente, vente, hop, il en reste un. Là, on est en stockage. Stockage, hop, vente et vente, nickel. Et là, du coup, on va accélérer le temps en x 360 histoire de passer une heure. On va voir combien est-ce que ça va nous rapporter. Et ça nous a rapporté, oh là là, ça nous a rapporté 450 000 euros, même plus, 475 000 euros. Donc on va, hop, on va diviser ça par 3. Alors, prendre la petite calculette, 475 divisé par 3, ça nous fait donc 158 000. Donc il faut que je retire 316 000. Hop, on va retirer 316 000 du compte. Hop, non, 300, mince. Hop, 316 000 euros en moins, nickel. Et il nous reste 186 000, de quoi largement acheter notre nouveau tracteur. Donc vous l'aurez vu, on va clôturer un peu le suspense. Donc ce sera le Renault Ares qui a remporté le sondage avec plus de 60%. Donc on va vous écouter. De toute façon, les trois me plaisaient. Donc là, on les pneus, on va rester sur du BKT. On va prendre la masse, chargeur avant. On va le prendre en 175 chevaux pour l'instant. Hop, parce qu'en 215, bon, on va le prendre en 185, c'est pas mal, 185. On verra par la suite si on augmente tout ça. Hop, couleur des jantes, on est bon. Et puis, on va l'acheter donc pour 99 000 euros. Et normalement, notre nouveau tracteur doit être arrivé à la ferme. Donc là, j'avais également fini de semer l'herbe. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir ranger le semoir. Et on devrait découvrir, donc juste ici, notre nouveau tracteur qui n'est pas apparu ici. Alors, où est-ce que j'avais mis l'apparition des nouveaux équipements? Bon, c'est pas grave. On va sauter dedans. Hop. Allez, on va dételer ça ici. Alors, où est-ce qu'il est arrivé? Ah oui, il est arrivé là. Nickel. Elle est magnifique, ce nouveau Renault Ares. Alors, on va sans plus tarder lui atteler la faucheuse et on va aller faucher
nos deux parcelles d'herbe pour faire une deuxième coupe. Donc là, on a nos trois tracteurs qui sont à la ferme, le Renault Ares, le CAS 170 et le petit Renault qui va nous servir de valet de ferme. Hop. Hop, nickel. Allez, on a attelé la faucheuse et on va se rendre directement aux deux parcelles que l'on a achetées il y a quelques épisodes. J'avais déjà fait une coupe. On va faire une deuxième coupe et puis on en dénera tout ça. Ça permettra de presser tout ça assez rapidement. Hop, bon, allez, on va faire un demi-tour là. Elle a l'air de pas braquer fort quand même là, ce Renault Ares. C'est vrai que j'avais pas essayé, mais il a pas l'air de braquer hyper fort. C'est un peu dommage parce que c'est assez étroit à la ferme. On n'aura pas fait grand chose dans cette vidéo. On aura juste accueilli le nouveau tracteur et un peu de fauche. Mais première vidéo de la semaine. On lance la semaine tranquillement. Hop, nickel. C'est vrai qu'il braque pas fort. Hein. C'est vrai qu'il braque pas très très fort. Ok. Alors normalement, c'est la parcelle qui est juste là-bas. Hop, alors l'entrée, elle se fait ici. Nickel. Alors, on va déplier tout ça. On va baisser et activer. Et voilà. Il suffira juste de passer le mince l'endaineur. Hop, on va relever. On va attaquer par ici. Bon, c'est pas de grosses parcelles, mais on va quand même en avoir pas mal de parcelles d'herbe avec tout ça, mine de rien. Donc on va pouvoir faire pas mal de stocks de foin et d'enrubanner. Ça va nous permettre d'accueillir bientôt, je pense cette semaine, on pourra accueillir les moutons sur la partie. Donc ça, c'est bien cool également. Et peut-être qu'on pourrait investir dans de nouvelles vaches. On verra bien. On va regarder à ça cette semaine. Donc là, normalement, tout a été ressemé. Il va juste nous rester à faucher un peu d'herbe, à faire un peu de pressage, d'enrubanner, nourrir les animaux. Et puis, on va attendre tranquillement la nouvelle saison de récolte. Et on est déjà à 12 minutes de vidéo. Hop. Voilà, ça se fait plutôt pas mal avec ce nouveau tracteur qui est plutôt cool. J'étais plutôt content du résultat du sondage, même si les trois tracteurs me convenaient. Hop. Allez. Voilà, par contre, ouais, on va taper le poteau. Allez, on va essayer de faucher ça quand même avant la fin de la vidéo. Donc on se retrouvera donc demain, 17h sur la chaîne. Pour une nouvelle vidéo, on reprend le rythme comme convenu. Vous avez eu une vidéo en plus bonus ce samedi, parce que j'ai eu le temps de prendre un peu d'avance la semaine dernière. Je ne sais pas s'il y en aura encore ce week-end, on verra bien. Mais dès que je pourrai, on fera des épisodes le samedi et le dimanche. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos, à activer la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Hop, il va pas nous rester grand chose à faucher. Hop, ça c'est fait. Il va rester le petit bout ici. Et puis on va se laisser là-dessus. Il restera la deuxième parcelle à faucher que je vais aller faire juste après de mon côté. On se retrouvera donc demain dans la vidéo, je pense, pour comment dire, pour endainer, presser. Et peut-être pour accueillir les moutons sur la partie. Alors là, on va replier. Ouais, c'est vrai que ça. Si je devais trouver un petit inconvénient au tracteur, c'est le rayon de braquage qui est pas hyper grand. Mais bon, on va s'y faire, c'est pas gênant. Donc là, notre deuxième parcelle d'herbe, elle est là-bas. Donc on faut passer par le petit chemin ici. Hop, bon, normalement en fait on n'est pas censé passer là, bon, c'est pas bien grave. Allez,
On va se mettre là. Et donc elle est juste ici. Donc on va s'occuper de ça dans la vidéo de demain. Je vais faucher de mon côté. Il nous restera à endainer et à presser. Et bah écoutez, on va se laisser là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Merci à vous d'avoir choisi ce magnifique tracteur pour la suite de la série. Je vous dis à très vite sur la chaîne. C'était M Farmer et en attendant, amusez-vous bien. Salut à tous.